Alors ici on a 3 plus quelque chose qui doit être égal à 10. Alors 3 plus, enfin ce, ce quelque chose qui est là, bon c'est notre nombre qu'on va essayer de, de chercher, en fait ce qu'on veut c'est qu'on a 3 objets et il faut savoir combien on doit en ajouter pour avoir au total 10 objets. Alors j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de, de le faire toi-même pour qu'après on puisse en parler ensemble. Alors, supposons que tu as essayé de ton côté, on va, on va essayer de le faire. Donc l'idée, hein, c'est d'essayer de, de, de trouver combien on doit ajouter à 3 pour avoir 10. Donc quel est ce nombre qu'on doit ajouter à 3 pour obtenir 10 Alors on va le faire avec ces, ce dessin qui est ici. En fait là on a 3 billes, hein, 3 cercles, 1, hein, 2, 3 rouges. Et on a un total de 10 cases. Une case, deux cases, trois cases, quatre cases, cinq cases, six cases, sept cases, huit cases, neuf cases, dix, dix cases. Donc en tout, il y a dix cases. Alors quand on se pose la question combien est-ce qu'il faut que j'ajoute à trois pour avoir dix, en fait, ça revient à se demander combien de cases je dois remplir pour arriver à dix cases pleines. Alors je vais le faire ici, hein, je vais tout simplement remplir les cases qui restent. Donc là, j'ai une case ici, une autre case là, une autre case là, une autre case là, une autre case là. Une autre case là et une autre case là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait là, j'ai dû remplir 7 cases. Donc finalement, combien est-ce qu'il faut ajouter à 3 pour avoir 10 Eh bien c'est 7. Donc ici, j'ai un 7. 3 plus 7, ça fait 10. Alors on va continuer, on va en faire un deuxième. Voilà, on va faire celui-ci. Alors ici en fait, on a 6 plus quelque chose. Donc ça va être ça, notre nombre mystère ici. Eh bien 6 plus ce quelque chose, ça fait 10. Donc ça revient à se demander combien je dois ajouter à 6 pour obtenir 10. Alors comme tout à l'heure, essaye de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis après on le fait ensemble. Alors voilà, là j'imagine que tu as essayé de ton côté. Alors on va utiliser ce, ce dessin comme tout à l'heure. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 billes bleues, enfin 6 ronds bleus ici. Et en total de 10 cases. 1, hein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 10 cases en tout. Donc si je me demande combien je dois ajouter à 6 pour avoir 10, en fait ça revient à compléter, à remplir les cases vides qui sont ici. Donc j'ai déjà 6 cases remplies. Et celles qui restent, bah, c'est celle-là. Alors je vais les faire ici. Voilà, J'en ai une là, une deuxième là, une troisième là. Et une quatrième là. Donc, en fait, là, ce que je vois, c'est que si j'ai 6 billes, il faut que j'en ajoute 4 pour avoir 10. Donc, 6 plus 4, ça fait 10. Donc là, le nombre mystère, finalement, c'était 4. Voilà, 6 plus 4, ça fait 10. Et une autre chose qui serait tout à fait vraie, c'est que 4 plus 6, ça fait 10 aussi.